première fois, t'as fait le coach. Ah oui, c'était pas mal. Et bah là, tu vois, apparemment, c'était pas mal, mais pour demain. C'est pas là demain, tu dois en avoir. Tu peux pas tenir ça, Jean-Maman, hein? Il est où, ton frère, maintenant? Putain, tu fais chier, Loris! Mademoiselle, excusez-moi, vous pouvez me le garder 2 minutes, il faut que j'aille chercher son frère. Ouais, merci, c'est vraiment gentil. Bon, maman arrive tout de suite. T'as intérêt à rester sage avec la dame, t'entends? J'en ai pour 2 secondes. Salut! Bah t'as fait quoi alors? J'adore la course. En plus, c'est toujours moi qui arrive le premier. C'est vrai? Bah, c'est bien ça. C'est quoi, tu devrais mettre toute ton énergie là-dedans plutôt que de faire des bêtises, non? Merci beaucoup. Plus jamais tu me fais ça, t'entends? Ton frère a 1 an de moins et il est plus sage que toi. Grandis un peu! Je vous dois un café. Non, non, c'est rien. Si, j'insiste. Allez. En plus, qu'est-ce qu'elle était conne, cette meuf, je te jure. Elle arrêtait pas de rire comme ça. Si tu la voyais, elle mériterait des baffes. Comment il a pu me quitter pour elle, putain. Bon, après, de toute façon, lui non plus, il avait pas la lumière à tous les étages, hein, si tu vois ce que je veux dire. Mais bon... Je m'en fous. Maintenant, je suis avec David. Corinne! Ça va, ma belle? Venez boire un café et dire bonjour en passant. Ça va? Ça va. Ça va, c'est midi. Elle n'est plus avec Vivien, t'es au courant? Non, ma peau, mais comment ça se fait? T'as réagi comment? Et les enfants? Ça va. Tu sais, ils ne le connaissaient pas trop et... Puis moi, je suis avec David maintenant. Ah oui, David. Le temps qu'il tournait autour, celui-là. Ouais. Ouais, il me semblait bien qu'il se titillait quelque chose entre vous. Bon, c'est pas que je veux pas vous parler, mais c'est que je dois bientôt reprendre le taf et il faut que j'amène les enfants chez la nounou. Au fait, je vous présente Iris. Elle est sympa, vous verrez. J'ai le temps de vous servir. Vous voulez quoi? Un café? Quelqu'un veut autre chose? Non. Bon. Bah non, merci. Quelqu'un me passe son feu? Je croyais que t'avais arrêté de fumer. J'ai le droit de m'accorder un petit plaisir quand même, c'est le week-end. Alors tu t'appelles Iris, hein? Comme la fleur. Tu me tapes? Merci. Salut ma belle, comment tu vas? Ça va. Laurent, la table 4, elle est libre si tu veux. Bon ma puce, je suis désolée, je peux vraiment pas te parler, mais tu peux t'asseoir une table si tu veux. Audrey va bientôt faire sa pause, elle viendra te rejoindre. Très bien. Salut ma belle. T'es ravissante aujourd'hui. C'est pour moi que tu t'es fait aussi jolie ou c'est pour les clients? Je sais pas. Alors, ma belle, tu m'écoutes plus?
chier, j'ai oublié d'en racheter. Ah, j'en ai si tu veux. Et tu travailles ici? Juste pour la plonge, c'est le seul taf que j'ai trouvé. Et toi, tu bosses où? Moi, je travaille pas. J'avais commencé des études de psycho, mais j'ai arrêté. Psycho, non mais la blague, sérieux. Voilà les nouveaux métiers tendance. En tout cas, moi je te dis, t'as bien fait de partir. T'as bien fait. De toute façon, la pourriture des autres, quand elle te ronge, tu deviens qu'un tas de merdier en besoin d'être ramassé. Mais bon, c'est plus ton cas maintenant. David, je reprends. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la merde là, je te dis pas. Loris vient m'appeler, Alexis est tombé dans les escaliers. Je suis seule au café ce soir, c'est moi qui fais la fermeture. Bah, vas-y, je te remplace. T'es sûre? Ouais. Je t'ai déjà vu faire, c'est pas bien compliqué. Allez, vas-y, t'inquiète. Je m'en fous, je t'avais confié le café à toi et à personne d'autre. T'en étais responsable. Mais la nounou avait laissé seule mes enfants. T'es viré. J'aurais jamais dû engager une mère avec deux gosses. Si Iris n'avait pas été là, à cette heure-là, il serait parti avec tout mon pognon. Elle est fou le camp. Iris prendra ta place. Je trouverais bien, t'en fais pas. T'en veux pas, tu sais, hein, c'est pas ta faute. Hein. Tu pouvais pas prévoir qu'on nous volerait, de toute façon. T'as été courageuse, hein. Tu mérites un job. Et puis, il faut que t'entames une vraie vie d'adulte, maintenant. Ça va bien. Oui, ça va bien.